N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de Sly 2, bande de voleurs. Donc on est parti pour la suite de nos aventures. Donc on était à Paname. D'accord, le bureau de Dimitri. Ok, donc là on est bien à Paname. Hein. On entend bien les bruits des voitures Tarla Night. Bon, j'arrête avec mon imitation là. Donc là, il y a le bureau de Dimitri. Ah oui, il fallait le suivre. Je m'en rappelle maintenant. Non mais... Prends-toi des coups un peu là. Sly, j'ai réussi à poser un de nos mouchards sur cette reproduction. Il faut que tu te rendes dans le bureau de Dimitri et que tu l'échanges avec l'original. Cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir écouter toutes ces conversations. Oui, je trouve que l'expression qui dit que les murs ont des oreilles est carrément géniale. Mais fais attention à la peinture originale. Un seul éclat et elle sera fichue. Ok, bah on va faire attention. Par contre, je sais pas du tout où est-ce que je dois aller exactement. Ok. Tout est clair maintenant. Bah non, c'est pas là. Ok. Est-ce que c'est là? Là où il y a le signal bleu? Dans le club, sur le balcon. Oh, je comprends rien. Bon. On va essayer d'avancer, hein. Et merde. Je me suis pris un coup. Alors qu'il ne fallait pas que je me prenne deux coups. Allez, on reset dans le bureau de Dimitri. Oui. Alors, ok, mais c'est où le bureau de Dimitri? On récupère ça. Le rat, on le ratatouille. Oh, c'est pas possible ça. J'apparais devant des rats. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Non mais... Allez, on est parti, il y a encore des rats. Moi je sais pas, il est où son bureau? Est-ce qu'il est de l'autre côté? Ok. Qu'est-ce qu'elle est belle, la tour Eiffel. Oh là 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 là. Magnifique. On dirait la vraie. Okay. Là, il y a l'air d'avoir un bureau. Alors, est-ce que c'est là? Ouais, on peut toujours rêver, hein. Donc, c'est pas ici. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Est-ce que c'est là, le bureau?
là il y a un garde ici, il y a un garde de l'autre côté. Pour l'instant, ça va. Je gère les étagères. On esquive. Putain, mais il n'y a rien ici. Tiens, prends-toi ça, toi. Oh, j'ai esquivé. Oh, j'ai esquivé. Oh, j'ai flippé. Non, mais c'est horrible parce que je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Mais donnez-moi une indication, bordel. C'est de l'autre côté. Bah, c'est dur, hein. Bon, écoutez, on continue notre chemin, tant bien que mal. Oh là, il y a un ennemi. Il y a des ennemis partout. Là aussi, on va monter là-haut. Là, il y a un ennemi. Voilà, il a pris un coup de latte. Prends-toi un deuxième coup de latte. Merde, il y en a encore un autre. Oh là là, mais ils sont partout. Oh là là, c'est chaud, hein. Il y a des rats partout. Oh mon dieu, les rats. Oh mon dieu, les rats. Prends-toi ça. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ils mettent la pression, les rats. Mais ils prennent combien de dégâts, là? Allez, un de moins. Deux de moins. Non, mais il y a les ennemis, en plus. Oh là là, c'est chaud. Je sais pas comment je fais pour m'en sortir. L'autre, il me jette des dynamites dans la tronche depuis tout à l'heure. Normal. Tout va bien. Tout va bien. Prends-toi des dynamites dans la tronche et tais-toi. Bon, est-ce que c'est là? Dites-moi que c'est là, parce que là, je sais plus quoi faire. Hein. Ok, bon, je pense que c'est là. Avec le petit drapeau de la France. Welcome. Bon, il y a un rat. Il va pas me toucher, le rat. Oh non, il va me toucher, le rat. Oh là là, le rat. Le sale rat. Ah, j'ai des... Ah, j'ai flippé. Je flippe, je flippe, je flippe. Pourquoi je flippe? C'est juste un rat. Allez, bouffe. Bouffe ça, voilà. Terminado, le rat. Bon, par contre, je dois aller où, là? Est-ce que je dois aller là? Je dois pas aller là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, c'est trop là. Bon, je dois aller où? Ok, je dois aller là. D'accord. Ah oui, c'est là. Eh ben, putain. C'était pas simple, hein. Ce n'était pas simple. Mais c'est pas fini. Ok. Sur le plan, nous pouvons voir que cette porte est verrouillée de l'intérieur. C'est pas grave. L'approche directe n'a jamais été mon fort. Bon, alors l'approche indirecte consiste à passer par le conduit d'aération. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, super. Super. Là, je vois plus rien. Ok. Et je fais comment pour y aller Ok.
ramener la peinture originale sans l'abîmer. Je pourrais la vendre sur Internet sans problème. Et on empochera une belle somme d'argent. Et voilà, mission accomplie. Par contre, je suis qu'à 3% du jeu. What the fuck? Ce jeu est long. Impossible d'ouvrir la chambre forte sans les indices dispersés autour du refuge. Ok. Par contre, le son du jeu, il est fort par rapport au son des voix. Est-ce qu'il y a un moyen de changer ça? Je pense qu'il faut que je baisse le son de la musique. Hein. Je le mette à la moitié parce que c'est pas tellement qu'il soit fort, hein, mais c'est juste... Ok... Mais est-ce que ça l'a pris en compte? Là, j'ai un gros doute. Ouais, c'est bon. Parce que quand ils parlent, je les entends pas, moi, les mecs. Hein. Donc ça doit être le son du jeu qui est trop fort. Au niveau de la musique, notamment. R1, enfoncé. Ah bah oui, pour courir. Ah, j'ai pas pensé à ça. D'accord, ok, super. Bravo. Bah ouais. Oh putain. Oh. Ouais, je suis fort quand même, hein. Je suis pas dégueu, hein. Je me débrouille bien, je trouve. Je me sors de situations périlleuses, on va dire. Il y a des ennemis partout, là. Bon, allez, on monte. N'empêche, le bruit, là. Des voitures en arrière-fond. C'est vraiment... Mais t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. T'es à Paris, là. Je te jure, c'est vraiment le son que je me représente. Quand je pense aux voitures dans Paris. Alors, par contre, il est où, le bordel? Je me rappelle plus. Oh, putain, le pire. Saloperie, là, avec putain de dynamite. On bouffe ça. Allez, hop. Mais alors, toi... C'était la fête ou quoi, lui? Ah, il m'a touché. Ah bah tant pis pour la toile, hein. Dommage. Dommage. Ah, j'aurais bien ramené la toile, quoi. Ah, je suis déçu. Bon, tant pis. De toute façon, il y a trop de saloperies sur mon chemin, là. Bon, par contre, c'est ouf. Ok. Ah non, en fait, je me suis éloigné, hein. C'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire. La cachette était pas si loin. Ah ouais, tu vois, là, ici, je crois que j'ai continué tout droit. Fallait que je tourne, en fait. Et j'étais au bon endroit. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bah, attends, du coup, je dois faire quoi, là? Je comprends rien. Franchement, c'est dur. Ma vie, elle est dure parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Ok. Ah ouais, faut que je suis Dimitri. Ok. Je viens d'intercepter un message de Dimitri. Il a demandé à ses gardes de sonner la cloche dès que la voie sera libre. Mais libre de quoi? Ça, je n'en suis pas sûr. Sonne la cloche et suis-le sans te faire repérer. Alors on trouvera peut-être ce qu'il cache. Ok, on va sonner la cloche. Il est un peu moche, Dimitri, hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, la démarche! Ah ouais.
Il a un déhanché. Ah là là. Il est impressionnant, hein. L'artiste, c'est moi, il se met à danser et tout. Non, mais c'est trop. Merde! En fait, faut que j'aille sous la table. Dès qu'il se retourne. En fait, il va au bout de la rue, il se retourne. Et à ce moment-là, faut que j'aille en dessous de la table. Ok, je crois que j'ai capté le délire. Et je pense qu'il faut jamais que je sois trop près de lui. Faut garder un peu de distance. C'est vraiment une tronche de cake, hein. Sans vouloir être méchant, hein. Je ne fais qu'énoncer des vérités, hein. Là, faut que j'aille sous la table. Vite. Oui, c'est toi l'artiste. Si t'as envie. Reste cool, bébé. Ah putain, y a un ennemi là. Merde. Ok, c'est bon, je continue là, ici. Ouais. Merde. Ah, puis il y a le gros en même temps. Putain, je vais pas y arriver. Attends. Merde, faut pas que je perde de vue non plus. Voilà qui pourrait nous être très utile. C'est une mission pour Murray. Reviens au refuge pour changer de personnage. Ok. C'est bien ce que je pensais, hein. Il y a des missions. Ça va être d'autres personnages. Ok. Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Je suis pas contre l'idée non plus. Alors, elle est où, la base? Elle est en face. Ok, bon, on s'en fout. Allez, on continue. Hop. Elle n'est pas là, elle est ici. Allez, on est parti avec Murray. Mon gars sûr. Ça, c'est fait. Qui est fait n'est plus à faire. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah ouais, c'est ici. Ok. Bon, après, ça va, il suffit d'appuyer sur R3 pour que ça nous dise où il faut aller. Ça va, ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être bien pire. Ouais. Il faudrait que tu ailles saboter la salle de la pompe à eau. Waouh, c'est balèze. Comment je vais faire pour passer ce laser? Essaye de casser ce boîtier d'alimentation en lançant quelque chose dessus. Appuie sur la touche cercle pour utiliser ton palourd près de la glacière et ramasser un bloc de glace. Appuie ensuite sur la touche carré pour lancer le bloc de glace sur le boîtier. Appuie sur la touche cercle pour ramasser un objet et sur la touche carré pour le lancer. Pigé ? Ok, rond carré, c'est bon. C'est assez clair. Ok. C'est pas ça ? Merde. Ok, ok, c'est très très clair. Et c'est assez sympathique. J'aime bien. Non mais non. Faut taper au bon endroit, voyons. Ok, on va juste en récupérer un au cas où. Parce que pourquoi pas. S'il y a un ennemi ou un truc comme ça. Ok. Terminado. Ah, ça va être tendu là. Est-ce que c'est possible au moins? Bon, écoutez. Dans le doute, hein. Au moins ça passe. Mais... c'est marrant. J'aime bien. C'est drôle. Merde. Il est un peu trop fermé, hein. Ok les gars, j'ai élaboré un plan pour pouvoir récupérer les plumes de Clockwork. Mais il nous reste encore quelques détails à régler pour l'organisation du cambriolage. D'abord, Sly va devoir fouiller quelques poches dans le théâtre pour pouvoir accéder au poste de contrôle des projecteurs. Quand ce sera fait, nous pourrons désactiver les systèmes de sécurité qui protègent la presse. Murray et ses muscles devront ensuite détruire toutes les sirènes d'alarme extérieures. Ce qui nous évitera d'attirer les gardes quand nous passerons à l'action. Et enfin, nous devrons rentrer dans la discothèque et faire tomber la boule à facettes. Oui, oui, ça fait partie du plan. Ok. Le plan est carré, mais on va se laisser ici pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si vous avez apprécié et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Par contre, le jeu a l'air hyper long, alors je sais pas combien d'épisodes ça va durer. J'espère pas 36, hein. Mais bon, sait-on jamais. A plus dans le bus.